Bonjour à tous, je me trouve en ce moment au musée d'art du cloisonné de Beijing en Chine. Autour de moi, il y a toutes sortes d'objets, dont des vases, des jarres, des bols et des assiettes, tous faits en émail cloisonné. En Chine, l'émail et le cloisonné possèdent une longue histoire. Ils sont devenus populaires durant la dynastie des Ming. Il faut savoir qu'à l'époque, ces objets étaient créés uniquement à l'usage de la famille impériale. Aujourd'hui, ce sont davantage des objets d'exposition et ils sont aussi offerts par les dirigeants chinois aux dirigeants étrangers en guise de cadeaux diplomatiques. L'histoire de l'émail cloisonné remonte à plus de 600 ans. Cette technique d'orfèvrerie est considérée comme l'un des arts traditionnels les plus typiques de Beijing. En chinois, cette technique est appelée Jing Tai Lan, littéralement bleu de Jing Tai. Bleu parce que l'émail était principalement de couleur bleue à l'époque, et Jing Tai étant la période des Ming durant laquelle l'art chinois du cloisonné s'est développé pour atteindre son apogée. Pour faire un objet cloisonné, c'est très complexe, mais avant de se lancer dans les nombreuses étapes de fabrication d'un objet cloisonné, nous allons parler des motifs. Et je suis avec Madame Li qui va nous expliquer ce qu'on voit sur ces objets cloisonnés. Li 老师您好，您好啊，您是设计师啊？对对对，您可以给我讲一下这个景泰蓝上面能看到的图案都有哪些啊？看到这个画尊上面，它这个图案呢比较丰富。这个呢也是我们是现代以传统这个艺术的这种相结合的这种图案的这种展示。我们可以看到上面牡丹花、牵牛花。 Madame Li m'explique l'importance et les significations particulières des motifs et de leurs couleurs. De la conception au résultat, l'œuvre cloisonnée est entièrement faite à la main. Mais les efforts d'une seule personne ne suffisent pas, il faut travailler en équipe. Je suis maintenant dans l'un des ateliers de fabrication des objets cloisonnés. J'ai entre mes mains le motif que Madame Li m'a préparé. C'est un motif plus ou moins simple, comme je suis une débutante. Et je vais essayer de réaliser l'étape du cloisonné avec l'aide de Monsieur Jiang, bien sûr. Jiang 老师，你好。哎，你好，你好，你好。这个图案准备好了。这个图案，你看啊，这是一个天坛。按照你这个图纸，我们的器型已经出来了。那么你现在呢，就要掐丝了。掐丝的第一步。 就要先踏图，踏图这是一个这个复印纸，把这个搁在上的，先把这图案踏上，踏的话，你注意一个啊，这个啊，画的要使劲、准确，看，踏上了，但是呢不能动啊。好的，啊，那我试试，好好试一试。 好，很用力吗？对，适当的得用点力，最好是一次到位。比如你描完以后，不要再回笔。如果你要老来回回，它就粗了。啊，你比如你这个这地方，这儿比较虚，你就按实了描。 Ça a l'air facile comme ça, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout, parce que la surface n'est pas plane. Même avec une assiette, la surface n'est pas complètement plane, donc ce n'est pas si facile de calquer le dessin sur le récipient. Donc j'imagine que ça doit être encore plus dur avec des récipients comme des vases ou comme celui-ci, avec une surface complètement ronde. J'ai presque fini, je ne sais pas ce que ça donne, je vais demander à Monsieur Tiang. Tiens, 您帮我看一下。好，嗯，看看你的节奏到底怎么样？看，哎，还可以。这图案出来了以后，我们现在就按照这个，你的标准呢，还是按照这张图纸，在这儿我先掐一个，掐好了以后，我再放到这上头。我先给你演示一下啊，这个呢就是这个丝。掐的时候首先要捋一下，注意一个，你看啊，先捋一下。 你按照我这个，你也来一下。这个丝现在，啊，你拿那个镊子，我教给你啊，这个攥着一下，慢慢的轻轻捋，捋直了。看这个图纸啊，走这个形，我们这个现在从这儿开始，这个形状。
到这儿的时候，我们叫打刻。这个地方呢，又是椭圆的。在这个地方，又得打一刻。看这儿啊，折一下。折一下，哎，这样，看就这样就行了。看到没有？看到没有？还要比一下，大小。 这样呢，我这儿又多出了一块，所以我还要给它剪掉。剪掉以后，拿这个，不要占的太多。这个时候，在这儿，看啊，我们要给它弄好。对上。对上以后，给它摁一下。哎，这就行了。 Lorsqu'on plie les fils de cuivre, il faut faire attention à recréer les mêmes traits que ceux du dessin d'origine, pour un résultat plus précis. Comme pour un puzzle, les fils de cuivre pliés sont assemblés pour être fixés un à un sur la surface de l'objet cloisonné, jusqu'à ce que le dessin soit complété. Pour l'étape suivante, on va remplir les compartiments minuscules du cloisonné avec de la pâte d'émail constituée de pigments colorés. Pour ce faire, on a besoin d'émaux de couleur, de petites spatules en cuivre, d'un morceau de coton et de pipettes en verre. On va maintenant commencer à mettre un peu 大面积的时候，它可以拿这个蓝枪。但是蓝枪，它点这个，比如说点这个小的这地方就不好点了，就得有这蓝管了。看，歪着吸啊，看到没有？这要歪着吸，这个按住，歪着吸。我们先把这个深颜色的搁在这儿，再把浅颜色的这样。 浅颜色搁在这上头，这个蓝枪也试一下。这个蓝枪干嘛用呢？润色。润色，让它这个渐变。你照着这个。这样吗？对对对对对对对，行。这再厚一点，再厚一点，它撕的三分之一。哎，这个时候就需要蓝枪了。 你拿那蓝枪试一试，那个蓝枪看到没有？就得这样，借着水劲儿，给它润一润，润一润。这么着拿着，对对，这么着，稍微立起点来。点蓝，点蓝嘛，就是哎，点到为止，就点，这就行了。De loin, on dirait que c'est liquide, mais si vous regardez de près. L'émail est constitué de petits grains de sable. Enfin, on dirait que ce sont des petits grains de sable. On ajoute soigneusement l'émail contenant les pigments colorés dans chaque compartiment. Quand tout est rempli, l'objet sera cuit dans un four, ce qui rétrécira l'émail. Il faut donc répéter le remplissage plusieurs fois jusqu'à ce que l'épaisseur de l'émail corresponde à la hauteur du fil de cuivre. Le cloisonné est une technique mêlant le cuivre, l'émail et le feu. Après des dizaines de passages au feu, on obtient une magnifique œuvre d'une finesse très appréciée. Ayant adopté les techniques d'autres arts traditionnels, tels que la peinture, la sculpture et la métallurgie, l'art du cloisonné de Beijing est complexe,
et exige des compétences gracieuses. Il est considéré comme l'un des plus beaux arts de métal dans le monde. Pour les amateurs d'art et d'histoire, le musée est l'endroit idéal pour admirer des œuvres d'art. Le musée Bo-wu-guan. Bo-wu-guan. L'art Yishu. Yishu. Dans le musée d'art du cloisonné de Beijing, nous avons vu toutes sortes d'objets faits en émail cloisonné. Des vases Ping. Ping. Des boîtes He. He. Des assiettes Pan. Pan. Et des bols Wan. Wan. La technique du cloisonné allie de nombreux arts traditionnels tels que la sculpture Biaosu. Biaosu. La peinture Hui Hua. Hui Hua. Et la porcelaine Ci Qi. Ci Qi. Pour juger de la qualité d'un objet cloisonné, on doit observer sa forme Xing Zhuang. Xing Zhuang. Ses motifs Tu An. Tu An. Ses couleurs Yan Se. Yan Se. Pour exprimer son avis et demander celui des autres, on utilise Jue De. Jue De. Qui signifie trouver ou penser. Wo Jue De. Je trouve que. Je pense que. 我觉得你的作品不错. Je trouve que ton œuvre n'est pas mal. 我觉得. Je trouve que. 你的作品. Ton œuvre. 不错. Pas mal. 我觉得你的作品不错. Je trouve que ton œuvre n'est pas mal. 我觉得这本书很有意思. Je trouve que ce livre est très intéressant. 我觉得. Je trouve que. 这本书. Ce livre. 很有意思. Très intéressant. 我觉得这本书很有意思. Je trouve que ce livre est très intéressant. 我觉得这部电影很精彩. Je pense que ce film est excellent. 我觉得. Je pense que. 这部电影. Ce film. 很精彩. Excellent. 我觉得这部电影很精彩. Je pense que ce film est excellent. Dans la boutique d'art du cloisonné à Beijing, M. Wang m'explique que pour reconnaître une œuvre de qualité, il y a trois mots-clés à retenir. Peser, toucher et observer. Il faut peser l'objet car un objet authentique doit avoir un certain poids selon les normes de production. Il ne peut être ni trop léger ni trop lourd. Ensuite, il faut toucher la surface pour s'assurer qu'elle est bien lisse. Enfin, il faut observer l'objet avec attention pour y voir des soufflures. En respectant ces trois règles d'or, il ne vous reste plus qu'à choisir l'objet qui vous plaît.